Nous sommes le soir de la grande affiche face au Paris Saint-Germain. Le stade de la Méno est évidemment complet. Une partie des gradins se démarque avec des drapeaux rouges. Ce sont les femmes de foot. Le club réserve une tribune aux membres de l'association fondée par Sabrina Keller. Alors de toute façon, le Racing, c'est pas un stade classique parce qu'il a une ambiance un peu particulière quand même. C'est un stade qui a un ADN assez familial. Donc ce qu'on a retrouvé ici, ouais, c'est un côté un petit peu plus tranquille, un peu éloigné de la foule effectivement, mais quand on fait du bruit, on en fait autant que les garçons, donc c'est bien. C'est convivial, on se rejoint deux heures des fois avant le match pour discuter. Après, on a une page où on discute pendant les matchs à l'extérieur. Enfin, c'est vraiment devenu un groupe de copines, c'est génial. Être une femme de foot, ce n'est pas seulement avoir un abonnement pour le Racing, c'est aussi participer avec beaucoup de générosité à des actions caritatives, apporter du réconfort ou récolter des fonds. C'est énorme, parce que notre fils est très très malade et Sabrina Keller a voulu faire un geste pour lui faire passer une bonne soirée et oublier un petit peu la maladie, sachant qu'on repart lundi pour l'hôpital, qu'on va le faire soigner à Marseille et c'est juste des étoiles plein les yeux. C'est tout ce qu'on voulait, on a des étoiles dans les yeux de notre fils et on a tout gagné, quoi. C'est une magnifique initiative de Sabrina. Je peux vous dire, comme je connais bien la famille Keller, qu'elle y met énormément de cœur et énormément de temps. Et voilà, et c'est une magnifique réussite. L'association compte aujourd'hui 285 membres et a déjà récolté 105 000 euros pour financer des projets. Prochainement, un abonnement mi-saison vous permettra de rejoindre, entre copines, l'aventure femme de foot.